Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up pour réaliser un mini smokey dans des tons d'anthracite et de blanc argenté en coin interne. Donc un petit maquillage rapide et qui fait son effet, ce qui fait vraiment ressortir les yeux. Je commence comme d'habitude avec ma Stay Don't Stray de chez Benefit que je vais poser sur les paupières mobiles et légèrement dessous en coin externe pour éviter que mon fard ne se barre dans la journée. Par-dessus, je vais utiliser une base colorée, donc c'est un color band de chez Bourjois, donc teinte gris graffiti. C'est une nouveauté, donc ça vient de sortir. Et ça me fait penser en fait aux eyeshadow sticks de chez Kiko. C'est dans la même veine, hein, tous ces crayons jumbo qui font de parfaites bases, qui font aussi très bien l'affaire à utiliser tout seul en fait. Par-dessus, moi j'aime mieux en fait les fixer avec un fard à paupières pour éviter que tout se carapate dans la journée en fait, tout simplement. Donc je vais venir poser ce fard anthracite foncé par-dessus le crayon et je vais l'estomper donc le plus possible. Et puis je vais utiliser le fard blanc en coin interne, en touche très légère. C'est un fard qui n'est pas très pigmenté, donc c'est parfait pour ce type d'utilisation, surtout sur ma carnation on évite d'utiliser du blanc sinon. Et je vais terminer les yeux avec le Tufty Suede de la Matai Palette de Too Faced pour unifier le reste de ma paupière en fait. Ensuite je passe aux sourcils que je viens brosser puis combler un peu avec le bronzing de chez Benefit parce que je n'arrive plus à remettre la main, j'ai mon fard à sourcils de chez Une qui a disparu tout bonnement. Je continue mon maquillage donc avec mon mascara de chez Une. Alors, je pense que c'est écrit à l'envers sur ce tube parce que systématiquement je vous le présente dans le mauvais sens. Pour les lèvres, j'utilise un rouge édition de chez Bourjois, qui est un rose un peu poupée, un peu baby doll, un rose dragé, donc que j'applique sur mes lèvres pour leur donner un petit peu de couleur. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder tous les autres petits tutos, à passer sur le blog pour avoir un peu plus de détails avec les photos et les produits. À bientôt!